Le poète russe Yevgeny Yevtushenko est mort à Tulsa aux États-Unis où il vivait et enseignait depuis les années 90. Né en 1932 en Sibérie, il s'est fait connaître pour sa critique de Staline. Son plus célèbre poème, Babillard, relate le massacre de près de 34 000 juifs à Kiev par les nazis. Figure emblématique de l'époque du dégel, il fut l'une des premières voix à s'élever en URSS pour défendre la liberté individuelle. Peut-être